Bonjour à toutes et à tous. En ce moment de confinement imposé par les pouvoirs publics pour notre santé, je souhaite apporter mon soutien à celles et ceux qui auraient tendance à broyer du noir, plutôt que de réagir positivement, ou tout au moins de manière constructive, à cette situation inédite. Je vous propose de saisir l'occasion de prendre du recul sur votre existence actuelle. Là, on ne parle plus de bien-être au travail. Je vous parle de bien-être tout court. Alors, qu'est-ce qui est le plus important pour vous à l'heure actuelle? Je vous propose d'en dresser une liste et ensuite de classer par ordre d'importance tout ce que vous avez noté. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez? Et notez tout ce qui vous passe par la tête. Ensuite, je vous propose de trier ce qui dépend de vous, de ce qui ne dépend pas de vous. Puis, en relisant point par point ce qui dépend de vous, que pouvez-vous mettre en place maintenant pour l'obtenir ou l'atteindre? De quoi avez-vous besoin pour le faire? Quand voulez-vous l'avoir atteint, obtenu? Si vous deviez ne plus jamais retrouver votre quotidien d'avant cette crise, et qu'on vous demandait ce qui vous manquera le plus, que répondriez-vous? Si on vous proposait de modifier quelque chose avant de reprendre votre quotidien d'avant, que changeriez-vous? Quelle est la personne qui vous est le plus chère? Si vous pouviez lui exprimer quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le fait de rester chez vous? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire que vous ne faisiez pas avant? Voilà ce qui me vient pour le moment. Il ne s'agit pas de nier ce qui se passe en ce moment dans le monde. Il s'agit simplement de mettre notre cerveau à notre service pour vivre ce moment le mieux possible et pour faire les réglages qui s'imposent pour améliorer notre qualité de vie. Tous ceux qui sauront voir une opportunité de régler ce qui doit être réglé ou de faire ce qui doit être fait, en ce moment particulier qui touche absolument tout le monde, connaîtront un changement favorable à leur vie, ce qu'ils n'auraient sans doute pas obtenu si ce temps de recul ne leur avait pas été imposé. Je suis à votre disposition pour vous guider dans votre introspection. Demandez une séance découverte gratuite par email et trouvons ensemble votre manière de gérer ce moment de confinement au mieux de vos intérêts.